Vous avez été nombreux à me le demander, et bien ça y est, je l'ai enfin terminé, le suivi de mon portefeuille crypto spécialement pour vous la team. Je vous le présente dans cette vidéo, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. Alors effectivement, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on me demande en message privé « Tonton, j'aimerais bien avoir un suivi de ton wallet. » Alors pas forcément pour faire pareil, mais au moins pour avoir une idée de comment tu gères ton capital, sur quel projet tu investis, où se situent tes prises de profit, bref. Tu vois un petit peu le délire. C'est pourquoi je vous ai pondu un petit fichier Excel tout pépère qui est super simple à lire et à comprendre. Mais avant, je dois te rappeler une chose importante. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Toi, tu dois te construire ton propre wallet avec ton capital. Et j'en profite tout de suite pour remercier le partenaire de la chaîne qui est le site d'actualité gratuite cryptonews.com. Sur ce site, tu vas retrouver tous les jours de l'actualité chaud bouillante sur les différents écosystèmes crypto, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, et tu vas même avoir une rubrique dédiée au Memecoin. Dans cette rubrique, tu vas retrouver des guides et des tutos explicatifs super bien foutus pour savoir un petit peu où tu mets les pieds. Et si tu es un petit peu chaud et que tu kiffes les NFT, eh bien, tu vas retrouver également l'actualité essentielle sur cet écosystème. Donc, si tu veux toi aussi soutenir gratuitement ma chaîne, eh bien, tu te rends sur le lien que je te mets en description. Nous, on enchaîne. Alors, au niveau de mon portefeuille et du suivi que je te propose aujourd'hui. Là, je vais te le présenter rapidement, comme ça tu vas un petit peu comprendre la gamberge du tonton. Donc, comme je te le dis tout le temps sur mes réseaux, d'ailleurs, si t'es pas encore sur mes réseaux, pense vraiment à rejoindre. Je te rappelle, j'ai un canal Telegram, un X et un Discord. Et là-dessus, eh bien, je te partage comme ça régulièrement mes stratégies. Donc, vraiment, je te mets les liens en description, t'hésites pas à rejoindre. Alors, déjà, comme tu peux le voir à l'écran, j'ai une stratégie qui est quand même assez mesurée. J'ai une aversion au risque. Je suis pas non plus un dégène, tu vois, j'aime pas trop prendre des gros risques avec mon portefeuille. Maintenant, j'aime bien aller chercher de l'optimisation. Et donc, j'ai construit mon portefeuille un peu dans cette gamberge. C'est-à-dire que j'ai catégorisé un petit peu mes investissements et selon la dangerosité, le risque quelque part de l'investissement, eh bien, j'y alloue un certain capital. Dans la première partie, la partie entre guillemets safe, donc verte, eh bien là, j'y ai mis les plus gros dossiers. Ce n'est pas les cryptos sur lesquels je sais que je vais faire le plus gros multiplicateur, mais c'est des cryptos sur lesquels je sais qu'elles seront toujours là dans 5 à 10 ans et pour lesquelles il y aura un bon potentiel de croissance malgré tout. Là, tu peux le voir, on est sur du Bitcoin, sur de l'Ether et j'ai du BNB que je recharge de plus en plus, notamment avec la baisse qu'on a connue au cours de l'été. Donc pour ce suivi, j'ai vraiment voulu te partager comme ça la quantité de capital que j'alloue pour chaque investissement. Ensuite, tu vas le retrouver donc sur la partie droite. Il y a une petite description que je te fais et là, je vais y mettre à jour en temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais modifier ma stratégie pour un projet, eh bien, je vais venir la modifier sur ce suivi. Là, tu vas retrouver essentiellement, eh bien, qu'est-ce que je continue de faire sur ce projet? Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que je continue d'accumuler? Est-ce que je vends? Et surtout, je vais te donner mes objectifs, c'est-à-dire à quel niveau de prix je vais revendre ce projet. Tu vois, si je te prends comme exemple Ether, eh bien là, en l'occurrence, tu peux voir que Ether, je suis toujours en phase d'accumulation. Je le DCA comme Bitcoin d'ailleurs, tant qu'on reste en dessous des 4 000 $. Je t'explique sur quelle plateforme j'achète de l'Ether, comment je vais le sécuriser et également eh bien, à quel prix j'ai mes différentes prises de profit. Ensuite, tu vas bien entendu retrouver le pourcentage de mon capital qui est alloué à ce projet. Donc là, tu peux voir en l'occurrence que pour Bitcoin, j'ai actuellement plus de 19% de mon portefeuille qui est en Bitcoin. Je te donne également le niveau de risque que j'estime. Est-ce que le risque, il est plutôt faible ou est-ce qu'il est plutôt élevé? Et également, eh bien, le pourcentage de gains que j'espère faire sur chaque projet. Voilà, j'ai vraiment voulu te donner un maximum d'éléments pour que tu puisses avoir une vision globale de comment je gamberge sur mes investissements. Tu verras qu'aussi, en parcourant un petit peu le fichier, et vraiment, amuse-toi à le parcourir, je te mets comme ça les liens directs vers les plateformes. Par exemple, quand je fais du staking, je te mets le lien direct vers la plateforme. Quand je vais optimiser certains rendements en passant par du liquid staking, pareil, tu as le lien. Bref,
je te fais vraiment, là, j'essaie vraiment de te proposer un outil tout en un pour que bah, tu puisses avoir quelques petites idées qui émergent de ton côté et pourquoi pas trouver peut-être des solutions auxquelles tu n'avais pas encore pensé. Maintenant, l'avantage de ce type de fichier, c'est qu'il va évoluer. À chaque fois que je vais faire une action sur une ligne, par exemple, si je vends de l'Ether, je vais l'indiquer, je vais te l'indiquer, comme ça tu pourras voir à quel prix j'ai vendu, quelle quantité j'ai vendu, et puis je vais ajouter de plus en plus de fonctionnalités au fil du temps, comme ça tu auras vraiment un outil complet tout en un, et en plus, eh bien, il est totalement gratuit. Alors pour accéder à ce fichier, c'est très simple, tu as juste besoin d'une adresse mail pour te connecter, moi je te mets le lien dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé, et tu vas également le retrouver sur mes différents réseaux, que ce soit mon canal Telegram, mon X ou mon Discord. Tu auras tout pour toujours le trouver et toujours pouvoir te connecter à ce fichier. Voilà, donc n'hésite vraiment pas à utiliser ce fichier, à le partager autour de toi, à des amis, etc. Ceux qui se posent peut-être des questions, comment je gère mon portefeuille. Et puis surtout, très important, en commentaire ou sur mes réseaux, viens me faire un retour. Qu'est-ce que tu penses de ce type de fichier? Qu'est-ce que tu aimerais voir en plus apparaître? Quelle fonctionnalité tu aimerais avoir dans ce type de fichier? J'essaierai comme ça de l'améliorer avec tes retours. Et puis en attendant, écoute, moi je vais te souhaiter une excellente journée. Je vais te dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!